Eh bien salut tout le monde, c'est Xa, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de notre Let's Play sur Amnesia Machine for Pigs. Donc la dernière fois on était derrière, donc à chaque chapitre, on cherchait nos deux enfants, ils m'ont fait très peur. Et donc on est arrivé dans cette pièce très bizarre, qui fait très peur. Donc on avait entendu le bruit d'un cochon, je crois. Donc du coup, bon pas très rassurant mais bon pas très grave. Donc, on est arrivé dans la partie centre, je pense, ouais, du manoir. Avec des bruits de chaises, normal. Un canapé qu'on ne peut bien évidemment rien faire. Cette porte est trop stylée pour qu'on l'utilise, très bien. Elle aussi. Donc, je sais pas. Très bien. Ouh là là. J'ai eu une mauvaise expérience l'autre fois quand on est descendu des escaliers. C'est quoi? Mon journal, la musique commence à se lancer, mais s'il vous plaît, on se calme. Hein. Gros rôle. Cette voix au téléphone, elle me parle comme si elle connaissait. Ah d'accord, donc on a des jumeaux. Ok, donc c'est ces deux trucs. Qui est dessus depuis tout à l'heure. Non mais attendez. Non mais la musique, elle est trop stressante là. Mon stress, s'il vous plaît. Bordel. Alors droite ou gauche? Oh oui. Mon enfant, j'arrive à toi. J'arrive à toi. C'est bon. Ah d'accord, il s'est barré apparemment. Ah, encore un microphone. I must say, my dear man, you look awful. Yes, I seem to have picked up something rather nasty in Mexico. I do understand what you've been through. A lesser man would have crumbled. Yet you have made all of this. Your great factory, your charities. It is a wonder for one man alone. It will all be made clear, Professor. But first, a drink. Alors, ça fait peur, hein? Donc. Ouais, voilà, ça je m'y attendais, donc voilà, donc ça c'est la scène que vous avez loupée l'autre fois. Do you know me? Who are you? Where are my children? Trapped. On va pas le savoir. Far below us. The machine is found. It is breached. It is flooded. The bulkheads are down. The children are engaged. If you help me, I can help you release them. Restore the power manders, drain the flooding, and restart the great engines. Ah. Where should I go? Hello? Can we play dans un égout? Hello? Une scène dehors. Bah dis donc, ça me ravit. Oh non, mais non, mais non. Ça, ça va être fermé, bien évidemment. Et ben voilà, on y est. Le petit enfant, il a pu passer parce qu'il passe en dessous. Non, enfin bon. Non, il passe pas. Bon, alors, donc là, on peut pas y aller. Très bien. Là, on sait pas. Putain, je le sens mal. J'ose même pas regarder sur le côté, je sais même pas où c'est. Ok. C'est qu'un jeu. Ok. Je... Putain, ça race. Ils m'ont fait peur un peu. On le dire. Il y a une chaise ou pas? Oh putain. Oh mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non. Mais c'est quoi ça, bordel? Il y a un truc approche. Oh ça, c'est ça.
Putain, mais c'est l'autre qui joue avec son ballon là. Allez. Donc il y a encore un passage secret avec. Putain, mais. Tuto, oui. Je vais m'en tourner vite là. Non, c'est bon. Putain, bah toi, dis donc. Bah, dis donc, lesquels que vous avez, les gars. Date passage secret. Alors attendez. Ouais. Donc en gros, faut pousser ça. Alors attendez. Journal. Ça fait du bien quand il y a des pauses avec les lettres, hein, parce que. Ok. Donc oui, il faut des. Dans quel sens se déplace tu merde. Putain, mais j'aime pas l'autre qui joue au ballon là. Ah d'accord, dans ce sens. Non mais là, mais j'ai le son au maximum. Ok. C'est pas. C'est toi. Oh, putain, non, c'est juste un courant d'eau là. Faut pas avoir peur comme ça. Oula. Si elle fait la souris, je vais te calmer, oui. Putain, on peut pas prendre ça là et je sais pas. Ok. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette merde? Ok, donc faut tourner. Très bien. Ok, putain, j'ai cru qu'il y avait un truc qui passait là-bas. Je vous jure, là j'ai vraiment peur, les gens. C'est quoi ça? Saloperie, ouais. Attendez, mais moi. Pousse-toi là, toi. Pourquoi je veux tout le temps prendre une chaise? Bon, donc là, il n'y a plus rien à faire, non. Ça, il y a quelque chose sous ce machin, non? Même pas. Donc maintenant, faut aller où? Il n'y a pas une lettre de journal ou quelque chose? Bon, on sait pas, tant pis hein. Allez go, c'est parti. Il va casser la porte. Derrière. D'accord, donc il est fermé. Oh putain. Il y a de quoi avoir peur dans le jeu. Autant vous le dire. Autant vous le dire, hein. Mais moi j'ai pas peur des méchants. Moi je fais du karaté, attention. J'ai vraiment peur de tout là, autant le dire. Comment tient cette. Ah, ok, d'accord. On va allumer ça. C'est même pas une lettre ça. Ok. Mais c'est où on était tout à l'heure. Merde, mais j'ai raté quelque chose alors. Par là peut-être. Poser. Le tableau tombe. Non, attendez, mais quand ça fait des frises comme ça. C'est qu'il y a un monstre pas loin. Ah mais non, mais là. Non. Eh ben non. Et évidemment que non, j'allais me dire pour une fois on peut rentrer dans une porte, mais non, même pas. Ah mais non, derrière là. On n'y est pas allé encore. Ah mais non, mais là c'est d'où on vient. Ah mais d'accord, il y a des portes. Attendez. Il y a trop de portes, je comprends plus rien moi. Si vous mettez trop de possibilités, moi je vais pas trop comprendre. Hein. Ah c'est là. Tout à l'heure on était là, même on voyait à travers, je crois. On peut ouvrir? Ah non. C'est quoi ce machin? Mais putain, j'ai le don de trouver les trucs, mais direct. D'accord, bon ben on y va hein. C'est encore les passages chelous là.
c'est quoi? On dirait un... je sais pas. On dirait un truc crevé, mais genre bien crevé quoi. Ça aussi, il faut encore le tourner, non? En fait, ça sert à quoi là, ce qu'on fait depuis tout à l'heure? Absolument rien, oui, c'est bien ce que je me disais. C'est exactement ce que je me dis. Hein? C'était où la sortie? Ah, mais c'est là, putain. Bon, ok, donc en gros, ça s'activait un levier, mais le levier... Ça c'est qu'il y a un monstre, putain, non, mais non, 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 mais j'y vais pas. Hein. Reste là. Comme ça, il fait ça. Oui, je vois. Non, non, mais en vrai, on va se faire bouffer là, putain. Putain. T'es où, salope? Il est là. Ok, c'est revenu normal. Ok, donc il était là, mais genre posé quoi. Bon, on voit par là, on va se par là, nous. On peut pas ouvrir. Toujours pas, ok. Donc à mon avis, il fallait pas aller là, hein, voilà. C'est triste au fait, les documents trouvés, on en a que deux. C'est triste hein, quand même. Moi, je trouve, hein. Je dis ça pour essayer de me rassurer, mais j'ai pas envie d'aller là-bas, putain. Il est là. Non, c'est bon. Lui, au moins, on sait quand il est là. Les gamins, on sait pas quand ils sont là. C'est le bordel. Bon, ça a ouvert ça, ça a ouvert quoi, là? Parce que... Que dalle. Y a rien, ok. Continuer, hein. Peut-être faut retourner là-dedans. Non, mais il va être là, c'est obligé. Non, c'est... Ok, donc là. Genre, comme par magie, ça a ouvert. Ah, bah oui, c'est les amis là. Je crois. I am off the market. I will cry all the way home. I will have none. I will have none at all. Ferme-moi ça au cas où, on sait jamais. Si l'autre il nous suit, normal, posé. Ah non, mais j'aime pas ces salles de contrôle. Il va être là, hein. Ah d'accord, on est revenu là. Sauf que ça a ouvert... D'accord, très bien. Donc ça a ouvert la porte là. Mais non, là c'est bon, bien, je suis con. J'ai pas un bon très bon sens d'orientation. Et là. Ouais, là c'est l'autre truc. Donc ok, donc faut aller tout droit. Putain, j'ai cru voir un truc. Putain de tarasse. Wow. Ils font peur ces trucs, hein. Franchement, s'il vous plaît, les enfants, on se calme, hein. D'accord, bonjour, mur. Ok. Je crois qu'on peut tout prendre, genre les... Putain, fou, pas. Putain, mais attendez, mais regardez-moi. Regardez ça, comme c'est bien caché. Direct, on voit le bordel. Oh putain. Ok, là, on va prendre. Il faut lever ça? Ah non, c'est une porte. On va se faire violer là-dedans. Putain, on est allé dehors. Ça s'est fermé, ok. Ok, donc très bien, donc il faut aller là-bas. Hein. Non. Non, non. Je n'ai pas envie. Putain, mais il y a des têtes. En fait, le mec, il passe, il fait tiens une tête de pig. En plus, c'est quoi ce machin? C'est un masque. On a trouvé un œuf de pierre. Oui. Pourquoi pas. Alors attendez, faut descendre. Dites-moi que c'est la fin du chapitre au moins. Pas du tout, très bien.
Oh putain. Non, 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 ça va se casser la gueule, ça va être putain, les escaliers comme ça, pourquoi ça se casse toujours la gueule? Oh non, on va mourir. Je suis sûr qu'il y a moyen de l'esquiver. Peut-être pas en fait. Ah bah c'était une fin de zone. Ça fait peur en vrai, putain, t'as le bordel. Il se casse la gueule, désolé, j'ai frappé mon clavier, mais bref. C'est pas grave, autant le dire. Alors, contre la montée des eaux. Aussi. C'est plutôt une bonne idée, autant le dire. C'est quoi ça? Ok, donc apparemment on est... Non, c'est bon. On est... Non, mais en vrai, je vais pas me retourner, il va être là. On est où? Ah, très bien, donc on vient de... Ah, de là. Ok. On va s'arrêter là, voilà, pour ce deuxième épisode, espérant qu'il vous ait plu. Donc on a vu la bête, hein, on l'a vu de loin, on a vu les deux gamins encore, hein, qui font un petit peu peur, faut bien se l'avouer. Donc voilà, donc on est à 16 minutes de vidéo, donc on va s'arrêter là. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode, en espérant qu'il vous ait plu. On se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 3. Bye tout le monde.